Mathilde Werner est à l'intérieur, elle a décliqué. Elle a décliqué, il y a maintenant Emma Joutou qui a remporté bien sûr la Coupe de France dans la catégorie des juniors, madame. Elle est en 12e position car il y a une sortie assez exceptionnelle. Je dois le voir l'avouer de la part d'Offner Manon pour le BMX Club Les Pennes Mirabeau. Et c'est elle qui vient en tête alors que la seconde position est beaucoup toujours maintenant par la Emma Offner. Elle est revenue. Les Pays de la Loire avec Emma Joutou est revenue aux avant-postes et ensuite Manon Offner est en 2e position. Il y aura également bien sûr Mathilde Bernard pour le BMX Ternois qu'on va revoir tout à l'heure en grande finale. Et si j'ai bien vu, c'est Billy Piton du BMX de Besançon-Doubs qui va prendre la 4. Allez, 40 secondes d'effort et bien pour un civil candidate et bien pour éventuellement prendre place en grande finale de ce championnat de France. Et ça lâche rien, oui, dans cette fin de première ligne et bien pour engager bien sûr le premier virage. Actuellement, eh bien, c'était Sam Martinez qui domine le débat. Attention à Charlotte Moreau, elle occupe la 3e position. Car c'est Laetitia Chevalier pour Evroyes BMX eh bien, qui occupe la 2e position. Et dans cette 3e ligne droite, on va confirmer la présence de Marco Lollier, Saint-Etienne. Marco Lollier, la 4e place. Alors que Tessa Martinez se pose pas de questions, on va s'adjuger la victoire de cette demi-finale. Et toujours Marco Lollier. Oh, c'est chaud, on est revenu là-bas sur la droite. Avec Emma Granger là-bas, la pilote de Jeux des Tours.